Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bonjour tout le monde. Nous sommes beau jeu. Beau jeu, oui. Bonjour, un monde merveilleux. On a le gagné. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Mes amis, j'aime te dire nous, je viens à faire une visite dans Beaujeu Park. Beaujeu Park existait il y a très longtemps. C'était en 1997 que l'il créé. Le 23 août plus précisément, 23 août 1997. Et Beaujeu Park, le lieu inauguré sur route Tabar, c'était le seul parc en Haïti qui était comme ça. Et c'était le plus grand parc de la Caraïbe. Il a gagné 10 000 mètres carrés de surface de jeu en Algadé. Cette image n'échappe plus à personne, encore moins à la curiosité des enfants, ces tout petits qui ont finalement trouvé à Port-au-Prince une place où se rencontrer pour se détendre et s'amuser. Les parcs Beaujeu, créés en août 1997, sont non seulement le seul du genre en Haïti, mais le plus grand parc d'attractions dans toute la Caraïbe, offrant plus de 10 000 mètres carrés d'espace de jeu à des enfants. En 1997, les parcs Beaujeu ouvrent officiellement devant des enfants ébahis et heureux de découvrir ce monde merveilleux et magique. Les petits d'abord, attention, mais les grands sont également avides de replonger dans cette eau de jouvence. Mai, jour, inauguration Beaujeu Park, 23 août 1997. Gardez ça. Le jour de l'inauguration, le tout Port-au-Prince fait un grand accueil au parc Beaujeu. Plusieurs milliers de personnes de 2 à 82 ans. L'accueil du public est à la dimension de l'événement. Des jeux et encore des jeux. Les enfants sont émerveillés, enchantés de découvrir tout ce monde qui joue. Petit train électrique qui vous conduit dans un petit tour magique où Mickey et toutes les autres figures emblématiques vous attendent. Petite voiture lancée à toute allure sur un circuit et vous vous entraînez déjà pour le circuit international. Petit bateau qui tangue et qui fait chavirer les cœurs dans un océan bleu. C'est tout un monde qui s'amuse, c'est un monde qui joue. Petits et grands s'amusent à jouer aux pilotes. Un véritable coup de foudre pour le parc Beaujeu. Depuis l'ouverture il y a un an, les parcs Beaujeu sur la route de Tabar sont devenus l'endroit le plus fréquenté de la capitale par les petits. C'est toute la famille qui se réunit à Beaujeu et y passe les meilleurs moments de détente. Les écoles de Port-au-Prince en ont également fait leur terrain de récré idéal. Des petits de tous les coins de la capitale ont déjà fait le détour par Tabar pour découvrir ce monde magique où le sympathique tonton Beaujeu, l'infatigable, est toujours prêt à accueillir dans ses grands bras tous ces petits qui arrivent de partout. À Beaujeu, les événements se suivent et se ressemblent. À Noël, à Pâques, comme en période de carnaval, les parcs s'emplissent de ce petit monde fou qui s'amuse, s'anime et ne perd pas de vue la réalité du pays. Jouer en s'amusant, se détendre en apprenant, c'est la meilleure formule pour mieux comprendre. Les psychiatres le recommandent. Les enfants ont besoin de jouer pour s'épanouir. En une année, le parc a grandi et s'est embelli pour le bonheur de ses petits copains. De nouveaux espaces de jeu sont aménagés pour accueillir aussi les plus grands de la cour des petits. Nous allons parler cunier avec Christian Dubosc. Christian Dubosc, c'était un partenaire à Beaujeu Park et c'est un spécialiste en jeu
et un divertissement pour enfants. En attendant Christian, qui est un créateur Beaujeu Park. Christian Dubosc, spécialiste en jeux et divertissement pour enfants et détenteur d'une licence de Disney, il se réjouit de l'implantation de ce parc à Port-au-Prince, le plus grand de toute la Caraïbe. Rien à envier au grand du même nom. L'ouverture a été effectuée le 23 août l'année dernière. Notre progrès, c'est d'abord d'avoir correspondu à une clientèle, aux attentes de la clientèle des Haïtiens. Et nous désirons cette année doubler la fréquentation du parc. Distraction, passe-temps, personne ne résiste à la tentation d'essayer les diverses attractions du parc. Un an déjà, et Bébé Park a bien grandi. Les jours passent vite, vite, comme ce petit train qui tourne et retourne, avec dans ses wagons plein de grands projets d'avenir, plein de cadeaux pour les petits et les grands voyageurs. Et tonton Beaujeu même, tonton Beaujeu ça que nous voyons. Tonton Beaujeu qui campait comme ça avec deux bras comme ça. Qui est-ce qui fait? Comment est-ce fait fait? En attendant, créateur Tonton Beaujeu, Philippe Dodard. Les enfants, nous sommes, comme vous le voyez, sur le chantier du parc Beaujeu. On va parler d'abord avec l'ingénieur, l'artiste qui a construit ce beau tonton. Nous sommes avec Philippe Dodard. Bonjour Philippe. Et c'est une magnifique réalisation, Philippe. Je voudrais avoir quelques précisions. C'est bien le tonton Beaujeu que tu es en train de faire là. Exactement. Enfin, j'ai été contacté par Win-François et Monsieur Dubois, Christian Dubois, qui a conçu ce projet. Donc, il m'a demandé d'exécuter pour lui le tonton Beaujeu qui fait 11 mètres de hauteur. Il y a aussi l'ingénieur Amboise qui a travaillé avec nous pour la sécurité justement et la résistance. Nous avons une fondation de près de 9 mètres par 9 mètres avec des semelles de 6 mètres par 3 mètres sur 2 mètres 50 de profondeur. Donc c'est un travail vraiment colossal, une expérience. C'est la plus grande sculpture que j'ai jamais réalisée. Ça, donc je pense que ce bonhomme qui sera comme un smiling face et sera un symbole d'espoir pour les enfants avec les bras triomphants. Donc c'est vraiment un exemple pour l'avenir de nos enfants. Une attraction que tout le monde, tout grand monde, tout public en général te remène à Beaujeu Park, et plus précisément à partir de un an après création, c'était le fait que King Posse, qui était jazz la jeunesse là à l'époque, King Posse t'es pris Beaujeu Park, t'es acheté Beaujeu Park à Jean Content. Nous voyons nos prestations King Posse dans le parc là, le ça nous voyons ouais artiste là qui a évolué, en parlant bien sûr de Black Alex. Nous voyons le Sammy B, nous voyons le Boujou, nous voyons tout monsieur, tout artiste King Posse. Désolé que son n'est pas aussi belle que nous t'aimer, mais quand même, ça parle bonne idée de l'ambiance qui était gagnée à l'époque. Ça. Oh,
Voilà les enfants, c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons fait un petit beau jeu parc qui existait bien longtemps de cela en Haïti. Et c'était en 1997, 98, etc. Beau jeu parc était là jusqu'en 2010, côté que l'IT ouvrit porte pour l'accueillir en pile victime de tremblement de terre et 2010 là, c'était comme ça. Ensuite, bon, je ne sais pas qui s'est arrivé par là. Mais quand même, de 1998 à nos jours, en 2021, qui parc qui gagne en Haïti pour tout le monde? Qui ça gagne encore en Haïti? Comme disait l'autre artiste, nous sommes tombés bien bas. Enfin. En tout cas, c'est la vie. Espérons que la prochaine génération a une chance de gagner un parc encore plus belle, plus gros que beau jeu parc pour divertissement. Toute famille en Haïti qui est reconstituée, qui est resolidarisée. C'est ça que je souhaite pour le pays noir. Invitez-nous avec un gros papache et un bisou. Bisous. 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 Bisous.